Bonjour! Pour ce nouvel épisode de la Tutothèque, je vais à nouveau vous montrer un tour de magie. Enfin, plus précisément, à nouveau, pas tellement un tour, mais plutôt un truc qui va vous permettre de faire des tours ou tout simplement d'épater un peu les gens. Ce coup-ci, en plus, ça va être quelque chose de très visuel. Je vous montre. Alors, le nom de cette chose est un peu barbare, on appelle ça un Erdnase Color Change. Ça permet de changer la carte du haut du paquet et de l'intervertir avec celle qui est en dessous. Je remonte doucement. Voilà. Comment on fait ça? Ce qu'on va faire en fait, le principe, c'est qu'on va prendre avec sa main la carte du haut du paquet, qu'on va la faire monter assez pour avoir assez d'espace sur la carte du bas et la récupérer avec la paume de sa main. On va tirer celle du bas. Puis quand on a réussi à l'extraire du paquet, comme ça, on va la faire remonter par le haut, tout en repoussant avec son index la carte du haut dans le paquet, ce qui donne ça. Si je refais doucement, et voilà. Surtout, avec cette petite astuce, l'idée c'est pas d'aller trop vite. Essayer de faire quelque chose comme ça, ça marche, mais c'est ni très élégant, ni très utile. Il y a des moyens de faire un changement de couleur beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus efficace. L'idée surtout là, c'est de donner un peu un sentiment de magie. Parce que si on le fait de manière bien lente et bien posée, ça donne quelque chose de très impressionnant et un effet extrêmement fort. Éventuellement, il n'y a pas besoin d'aller trop vite. On pose la carte. On peut même faire semblant d'essuyer un peu la carte pour montrer que c'est ça qui donne le changement de couleur et non pas un tour de passe-passe. Et ça donne quelque chose de très très visuel. Ce qui peut être utile avec ce tour, c'est deux choses. La première, si jamais on a la main qui est un peu trop sèche, on peut avoir du mal à tirer la carte, donc l'humidifier un peu éventuellement. Et ensuite, surtout, c'est de bien travailler les angles de ce tour, se mettre dans un vent, un miroir et bien vérifier que la manière dont on le présente au spectateur ne donne pas le truc. C'est-à-dire que là, par exemple, ça devrait être bon. Par contre, si j'étais trop de biais face à vous, là, vous vous rendriez sans doute compte qu'il y a une entourloupe. Voilà, c'était un nouvel épisode de la Tutothèque en vous disant à bientôt. Merci.